Bonjour Monsieur Pinotto, merci de nous recevoir chez vous. On va parler aujourd'hui de l'ordre du Saint-Esprit qui fait partie du domaine de la phaléristique, qui est considéré peut-être maladroitement comme une science auxiliaire de l'histoire. Vous êtes un spécialiste de la vexillologie, de l'héraldique, de la phaléristique, entre autres. L'ordre du Saint-Esprit, je vous cite, dans l'étude sur les ordres de chevalerie du roi de France et tout spécialement sur les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, vous expliquez que pour domestiquer une noblesse turbulente et essayer d'organiser des armées et donner un modèle à tous, les rois d'Europe ont créé des compagnies de chevaliers dès le XIVe siècle. Il n'existait pas de telles organisations avant cette époque. Un peu plus loin, toujours dans le même ouvrage, vous citez que dès son entrée en France, Henri III, venant de Pologne et d'Italie, décida de fonder un ordre de chevalerie pour le bien de l'Église, mais les choses n'allèrent pas loin du fait des difficultés venues de l'Église de France et du pape. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, il est évident que tout vient du fait suivant, c'est que sous la Renaissance et la fin de la Renaissance, avec les guerres de religion, il a fallu, avoir des partisans du roi se multiplier pour devant le grand danger du protestantisme. Car il faut quand même le souligner, le protestantisme n'a pas été qu'un changement de religion, des lectures pieuses et des offices qui n'étaient pas les nôtres, mais ils ont en particulier en 1562, ils ont saccagé la France. Ces gens-là, pour des questions de prière et d'eucharistie, etc., ils ont saccagé la France et ils ont été les maîtres de ceux qui ont fait ça sous la Révolution française. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Ils ont, par exemple, démoli complètement la cathédrale d'Orléans. Il a fallu que Henri IV, qui avait été justement de la religion prétendue réformée, commence à refaire la cathédrale qui existe de nos jours parce qu'elle n'existait plus en fin de compte. Ça veut dire que c'est dans un climat de guerre et de souffrance pour le peuple, et comme on avait beaucoup recherché des partisans chez le roi de France en distribuant l'ordre de Saint-Michel qui avait été fondé par Louis XI, on a pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus restreint, parce qu'à la limite, les envoyés du roi, se baladant à travers la France, donnaient un peu trop facilement l'insigne de l'ordre de Saint-Michel. Voilà. Donc, on a voulu avoir quelque chose de plus magnifique, il faut bien le dire, et quelque chose vraiment qui marque les esprits. C'est ainsi qu'est né l'ordre. De l'ordre de Saint-Michel, qui a d'ailleurs quelquefois eu un nom un tout petit peu plus compliqué, mais ça ne fait rien, c'est l'ordre du Benoît Saint-Michel, du Béni Saint-Michel, et donc c'est lui qui est devenu un ordre français très important, et je dirais même très important, parce que, étant donné que les tenants de la simplicité, c'était les gens qui étaient en particulier à Charles, ne pouvaient pas supporter de mettre tout leur écolier sur eux et quand ils étaient à cheval. Donc à ce moment-là, on a mis l'ordre, la croix du Saint-Esprit, on l'a mis attaché à un ruban. Ça se faisait déjà pour certains ordres, de mettre une petite chaîne ou un ruban, mais là c'est bien déterminé, c'est la première fois dans l'histoire qu'on dit qu'il y a un ruban qui est bleu, un ruban bleu qui soutient la croix et donc qui sert pour prendre la croix, qui à ce moment-là descendait, était mise autour du cou, bien sûr, l'ensemble était mis autour du cou, et la croix pendait sur l'estomac, voilà. Et c'est Henri IV qui a trouvé que cette croix qui se ballottait devant lui quand il était au trot ou au galop, il fallait quand même la maîtriser un tout petit peu, et c'est là qu'il l'a passé sous le bras gauche, et c'est ça qui a donné la naissance à ce qu'on appelle le grand cordon d'un ordre.
Alors, là, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que, bon, on avait demandé des avis au pape sur la question. Le pape n'a pas voulu s'en occuper. Donc, c'est au fond un ordre qui s'est fait tout à fait en dehors des normes. Un ordre de chevalerie consacré au Saint-Esprit, et on n'a pas demandé l'avis du pape pour la question. On s'est débrouillé tout seul. Alors, on a déterminé les fêtes de l'ordre et beaucoup de choses. Et quand je dis j'ai parlé du ruban bleu, c'était la première fois que l'on donnait dans l'histoire des ordres la couleur d'un ruban pour prendre une croix. C'est très, très intéressant. De plus, on a fait une chose tout à fait nouvelle, c'est que sur l'habit complet, pas le grand habit avec l'immense manteau qui a duré jusqu'en 1830, sur le manteau de à peu près tous les jours, le manteau de cérémonie mais simple, et puis pour tous les jours, on a inventé ce qu'on peut appeler une plaque. Mais en réalité, les plaques avec la croix du Saint-Esprit en grand format, elle était en broderie et en canetille. Donc les plaques métalliques sont arrivées, on peut dire, après la Révolution. Vous voyez, les Français ont fait des choses tout de suite assez extraordinaires. Ils ont été à l'avant-garde des modifications, même pour l'ordre de la Jarretière. L'ordre de la Jarretière est de 1348, c'est le plus ancien des ordres existants à l'heure actuelle. Et donc, nous, on a fait des choses qui ont intéressé les Anglais, et en particulier cette couleur, les couleurs et la manière de justement. Ils ont pris eux aussi une plaque, du coup. Vous voyez, ce sont des choses amusantes de voir que nous avons eu un rôle créateur dans cette affaire-là. Mais autre chose importante, c'est qu'on est parti sur un nombre, de chevaliers très important. Et les gens peuvent s'étonner parce qu'en fin de compte, en gros, le roi compris, ça faisait 100 ou 101 personnes pour les chevaliers. Bon, alors aussi, quand on voit les autres ordres, où c'est peu de dizaines. La Toison d'or sous Charles Quint a bondi à 58, alors que c'était à l'origine une trentaine, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est tout simple. Et la Jarretière elle-même, à l'heure actuelle, va avoir une quarantaine de personnes bien homologuées, je ne me rappelle plus exactement le chiffre. Et les Anglais, autrefois, avaient beaucoup moins de personnes dans la Jarretière. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Et la question est, c'est que la France était un pays gigantesque par rapport aux autres États, n'est-ce pas? Nous, quand on a fait l'ordre du Saint-Esprit, on devait certainement avoir 15 millions de personnes, des choses comme ça. Et les autres en avaient, les British, enfin même pas, ils n'étaient pas British, c'était les Anglais, parce que l'Écossais était ailleurs. Les Anglais, s'ils avaient 6 millions, c'est le bout du monde pour eux, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est proportionnel à notre population aussi. Voilà. Mais je pense que vous avez parlé de l'origine, vous avez tout à fait raison, c'est que l'origine de tous ces ordres, c'est une cohorte de favoris du roi qui l'accompagnent à la guerre. Et qui sont là pour le protéger. Voilà. Et c'est le mérite d'un livre très intéressant fait par un Américain. Je pense que je ne me rappelle plus si c'est Américain ou Anglais, mais il vit aux États-Unis. Il faudrait peut-être que je retrouve ce nom, etc. On pourra l'indiquer dans la vidéo un peu plus tard. Dans la bibliographie. C'est le roi de Hongrie qui, au XIVe siècle, a eu besoin d'une cohorte autour de lui. C'est ça la création, le début de tout. Et ce roi de Hongrie, ça devait être Charles Robert, qui était de la famille d'Anjou, et donc un Capétien. C'est un Capétien qui a tout commencé, et qui était roi de Hongrie.
et qui a fait la guerre et qui avait effectivement besoin, pour, ne serait-ce que pour soumettre des vassaux qui n'étaient pas faciles. Et il a bien bataillé et il a vu sa cohorte et qui a été copiée rapidement. C'était l'ordre de Saint-Georges, je crois. Oui, je ne sais pas. Oh là, mon Dieu. C'était peut-être le premier ordre. C'est peut-être l'ordre de Saint-Georges. Jamais créé de tous les temps. Il faut regarder dans le. On regardera dans le. Je ne vais pas vous l'évoquer dans l'étude sur les ordres de chevalerie du roi de France. L'ordre de Saint-Georges. Saint-Georges a été le patron d'un tas d'ordres, parce que c'est un homme qui est à peu près inconnu, un saint à peu près inconnu, mais qui a été découvert littéralement par les croisés quand ils allaient du côté de ce qui est maintenant l'Ods, L-O-D-S. Voilà. Et là, il y avait un tombeau de Saint-Georges, et les chevaliers ont été très contents de pouvoir s'occuper de Saint-Georges. Voilà. Qui d'ailleurs a été à un moment pris par les Français, comme puisque tout le monde était croisé, etc. L'ennui, c'est que les Anglais se sont attribués totalement Saint-Georges. Et quand on a commencé la guerre de Cent Ans, ils criaient Saint-Georges, et nous, ça les arrivait encore de crier Saint-Georges, n'est-ce pas? Et donc, on a rectifié rapidement, les Anglais ont continué à dire Saint-Georges, mais qui plus est, ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que les Anglais nous ont piraté le drapeau blanc avec la croix rouge. C'est parce que, avant le départ de Philippe Auguste pour la croisade, on va très loin, n'est-ce pas? Il y avait des discussions entre le roi de France et le roi d'Angleterre, ça se faisait sous un orme à Gisors, entre la Normandie dite anglaise, parce que le roi d'Angleterre, duc de Normandie, avait cette partie-là, et le roi de France. Et là, on avait décidé, pour partir à la quatrième croisade, que les Français auraient la croix rouge. La croix rouge, les Anglais, si j'ai bonne mémoire, la croix blanche, et puis il y avait quelqu'un qui avait la croix verte, etc. Il y avait la croix verte et même peut-être une croix bleue, je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais n'empêche que les Français et tout le monde est parti comme principal étendard avec la croix rouge. Mais comme Philippe Auguste, après la prise de Saint-Jean d'Acre, qu'une envie, c'était de revenir en France, les croisés avec Richard Cœur de Lion, qui était sous les ordres, même Richard Cœur de Lion, il est sous les ordres du roi de France, qui était le principal, ben, ils ont continué avec la croix rouge sur fond blanc. Ils nous ont piqué la croix rouge, et au bout de quelques dizaines d'années, c'était accepté par les Anglais. Et dans toutes ces campagnes, vraiment sensationnel, tenu par les Anglais et les Normands, bien sûr, il y avait des musulmans, une secrétaire de Saladin, etc., qui voyaient la Croix-Rouge, justement. Donc c'est certain, vous voyez, la Croix-Rouge a été déjà prise par les Anglais à ce moment-là, c'était le drapeau principal. Voilà. Enfin, on est loin, en théorie, du Saint-Esprit, mais il n'empêche qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut raconter. Les Anglais se sont fait la jarretière, les Savoies l'ordre de l'Annonciade, qui vit encore théoriquement toujours chez le prétendant italien, et puis on a vu fleurir un tas d'ordres les plus diverses, mais il est évident que le Saint-Michel pris par le roi de France avait d'ailleurs aussi la toison d'or faite par le duc de Bourgogne, était quelque chose de magnifique, mais la France est venue avec un peu de retard, et en 1500, il n'y avait plus que 4 ordres de chevalerie, alors qu'il y en avait eu une grande masse. Il y avait la jarretière, l'annonciade, qui ne s'appelle pas exactement comme ça, là c'est l'annonciation de la Sainte Vierge, il y avait, il y avait Saint-Michel pour terminer, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y en avait un dont je ne me rappelle plus le nom. Je pense que c'est pas extraordinaire à raconter, mais n'empêche que voilà, il n'y en avait plus que 4, dont Saint-Michel. Et alors, par la suite, Saint-Michel donc a été supplanté par l'ordre du Saint-Esprit. Mais la question est, c'est que le roi de France s'est toujours dit chef et souverain grand maître de l'ordre de Saint-Michel d'abord,
et du Saint-Esprit. Et le collier de Saint-Michel, étant le plus ancien, était toujours collé contre l'écu et l'ordre du Saint-Esprit environnait l'ordre de Saint-Michel. Oui, des choses assez curieuses, voilà. Bon. On peut en profiter pour dire que le prince Louis de Bourbon, donc Louis XX, est aujourd'hui le 26e chef et souverain grand maître de l'ordre de Saint-Michel. Et il est le 19e chef et souverain grand maître de l'ordre du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est pour le prince Louis. Et pour revenir au Saint-Esprit, donc c'était le premier ordre de la monarchie française, oui. Au sens de son rayonnement. André Castelot avait dit que la monarchie française était la plus illustre dynastie souveraine qui ait jamais existé. Sans aucun doute. Et l'ordre du Saint-Esprit est à la fois un ordre de mérite et un ordre de famille. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela ? Oui, parce que les gens qui étaient importants en France, bien évidemment, il y avait le roi, il y avait le dauphin, quelquefois le fils du dauphin, mais enfin, il y avait aussi des gens, des cousins très proches, et qu'il fallait quand même tempérer certaines ardeurs et honorer quand même les gens de la famille. Donc l'ordre et le ruban bleu était quand même un signe distinctif pour les proches du roi. Et bien sûr, il y avait pas tous les ministres, mais il y avait quelques ministres qui pouvaient l'avoir, mais ce n'était absolument pas obligatoire. Souvent, le chancelier de l'ordre était le chancelier de France, mais ça, c'était pas automatique. Il y a des chanceliers de France qui n'ont pas eu l'ordre. Voilà. Mais c'est des choses un peu spéciales. C'est devenu un signe dynastique très important avec Henri IV, parce que Henri IV, lui, il a considéré, au bout de deux ou trois années de méditation, c'est que son fils, le dauphin, devait avoir le cordon bleu. Alors l'enfant a eu le cordon bleu très, très jeune, mais il ne faisait pas réellement partie de l'ordre, c'était vraiment qu'une décoration pour montrer, attention, c'est quelqu'un d'important, cet enfant. Et d'ailleurs, quand le petit Louis XIV était odieux, parce qu'il se battait avec son frère Philippe d'Orléans, un futur duc d'Orléans, parce qu'il était à ce moment-là duc d'Anjou, il se battait comme des chiffonniers, il fallait les séparer, et on grondait le petit Louis XIV, et on disait « Ah, si vous continuez comme ça, on va vous ôter votre cordon bleu. » Et l'enfant répondait « Mais alors je ne serai plus roi !» Ça prouve combien c'était touchant, mais c'était lié, quoi, voilà. Et alors aussi, dans l'état de l'ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi, vous expliquez qu'il y avait des échanges d'insignes entre les deux branches, donc les deux branches Bourbon, pour montrer l'unité de la maison de France ou de Bourbon. Et le roi des deux Siciles fut aussi associé à ces mesures. Oui, deux branches, la France et l'Espagne. Ah oui, la France et l'Espagne. Je veux dire l'Espagne. Les deux branches Bourbon, voilà. Oui, les deux branches Bourbon. Et le roi des deux Siciles fut aussi associé à ces mesures. Vous évoquez le pacte de famille du 15 août 1761. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, il y a eu avant même cet acte-là, il y a eu un acte dont je ne me souviens pas, mais j'ai parlé dans mon livre, un acte sur les décorations pour l'échange de Saint-Michel et du Saint-Esprit entre la France et l'Espagne. Ça, c'est certain. Et le roi d'Espagne devait recevoir le collier de la toison, du Saint-Esprit et le roi de France le collier de la toison d'or. Ça se faisait sans aucune cérémonie. L'ambassadeur de France arrivait et donnait le collier. Je pense même qu'il devait, à la limite, lui mettre la boîte devant lui. Et puis, voilà, l'autre se parait des insignes par la suite. Ça se faisait très simplement. Ça s'est étendu au dauphin et au prince des Asturies. Voilà. Et par accro, mais sans que ça soit formalisé comme l'acte dont je vous ai parlé, ça a été aussi bénéfique pour le roi des deux Siciles. Voilà. Est-ce que l'ordre du Saint-Esprit a connu une évolution graphique dans sa représentation Non, pas du tout. Non, on peut dire que l'essentiel est toujours resté le même.
évidemment, il y a des orfèvres qui ont... Au début, on a l'impression, d'après les tableaux, que les rayons sont plutôt courbes. Les rayons de la croix sont un peu courbes. Mais comme il ne reste rien comme de cette époque-là, n'est-ce pas, comme on a perdu... Vers 1700, on avait encore des colliers qui étaient très anciens. Mon ami M. Patrick Spillard, qui s'occupe du Saint-Esprit lui aussi, et qui va faire paraître d'ici peu aux éditions du Léopard d'Or un livre énorme, capital, parce que lui il s'est occupé, lui qui est conseiller à la Cour des comptes, il s'est occupé de la comptabilité matière et de la comptabilité financière de l'ordre du Saint-Esprit d'Henri III jusqu'à Charles X. Il a découvert justement la permanence de colliers très anciens, n'est-ce pas, chez les rois quand même. Il y a des moments où on en fondait quelques-uns, mais parce que vraiment ils étaient trop. C'était maillé. Dans l'agitation de tous les jours, etc., les mailles peuvent s'en aller, quoi. C'est bien certain. Le roi portait effectivement une épée au côté gauche et la poignée de l'épée pouvait frotter sur la croix du cordon du Saint-Esprit, puisque le cordon était passé sous le bras gauche finalement. Mais dans le livre de mon ami Spillard, on apprendra des choses extraordinaires. On attend ça avec impatience. Comme vous dites. Voilà. Vous évoquez dans les pleines armes de France de Clovis au duc d'Anjou. Que le roi Louis XVI refusa de garder le Saint-Esprit pour lui et son fils, le prince royal, la même assemblée ayant proposé que les insignes de l'ordre leur servent à tous deux d'insigne de fonction. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire qu'ils avaient été autorisés à porter les cordons bleus, pour dire au fond à qui ils étaient, mais étant donné que les gens ne pouvaient pas en profiter, donc ils ont préféré, le roi a préféré donc ne pas continuer le Saint-Esprit. Voilà. Très bien. On va en venir à l'ordre du Saint-Esprit aujourd'hui, après avoir un peu évoqué son histoire. Aujourd'hui, que vous qualifiez comme une époque orientée vers l'apostasie des nations, tout à fait. L'abandon des traditions. Oh, tout à fait, oui. Vous parlez dans les ordres de chevalerie, qui est le titre de votre colloque que vous avez tenu à la Fondation Saint-Gervais Polignac à Paris en 1999. Oui. Vous parlez d'étudier des ensembles de personnes reconnaissant que des dynastes prétendant à un pouvoir sont des sources d'honneur, alors même que les États ont tendance à ne reconnaître que les honneurs décernés par d'autres États. Et pourtant, les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Oui, sans aucun doute, oui. Oui. Par exemple, la grande chancellerie de la Légion d'honneur ne reconnaît pas des ordres qui ne sont pas donnés par un État. Aucun ordre n'est reconnu par la Légion d'honneur. C'est son affaire, je respecte la Légion d'honneur. Disons-le, dont je fais partie. Et il est évident qu'on peut imaginer que dans d'autres pays, ça se passe autrement, quoi. Mais il faut faire très attention, parce que les faux ordres dits de chevalerie pullulent. Le pire, celui qui a fait le plus de dégâts, c'est l'ordre de Saint-Lazare, fondé par un juif converti au catholicisme vers 1205, par là. Je crois qu'il est mort suicidé par la suite, après la Première Guerre mondiale. Ça a explosé en France tout de suite après la Première Guerre mondiale, mais c'était presque rien. Et puis, vers 1930, et avec 30-31, avec la fin des Bourbons d'Espagne, les Bourbons d'Espagne ayant peur ont quitté l'Espagne pour une bonne partie, et à ce moment-là ils sont venus en France on leur a demandé de patronner l'ordre de Saint-Lazare, et ça a été un désastre d'ailleurs, parce que ça a donné une importance à un ordre qui véritablement a été décidé ne plus exister par le pape sous la Renaissance, et que par intelligence, a été annexé par Henri IV à l'ordre qu'il avait fondé. Henri IV avait, même protestant, à la suite de sa mère, qui lui avait donné une médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel,
qui d'ailleurs ça a indigné les protestants, il avait toujours porté cette médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et alors, il y avait peut-être six personnes du côté d'Orléans, qui, parce que c'était il y avait un fief là, à Boigny, qui était occupé par les gens dits de Saint-Lazare, et quoique on ait déclaré que Saint-Lazare n'existait plus, ces Français qui faisaient les malins prétendaient que ça existait encore, et Henri IV en avait plein le dos, et alors il a décidé que il annexait ces messieurs, qui devraient même plus exister, puisque le pape avait déclaré qu'on n'avait plus besoin de l'ordre de Saint-Lazare, qui était relative à la peste, au fond, finalement. Et bien, à ce moment-là, il les a annexés à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est un ordre qui a été fait par le pape, à la demande du roi. Alors, d'ailleurs, quand il y avait un grand maître de l'ordre, parce qu'il y avait donc le grand maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare réunis, et quand le pape envoyait, c'était un ordre religieux, et quand il envoyait une bulle pour le nouveau maître, quand on changeait de grand maître, il était question que de Notre-Dame du Mont-Carmel, puisque Saint-Lazare était terminé, bien sûr. Et alors, comme c'était un ordre qui copiait beaucoup le Saint-Esprit par ses fastes, pas toujours formidables, mais enfin, il y en avait au moment où ils avaient des beaux manteaux et quelques colliers, ça coûtait très cher, ça ne correspondait plus à grand-chose, et finalement, Louis XVI a déclaré, qui était le souverain, évidemment, de cette combinaison bizarre, Louis XVI a décidé qu'on arrêterait ces ordres réunis. Alors, il était de connivence avec le grand maître qui était le comte de Provence, c'est-à-dire le futur Louis XVIII, et alors on a déclaré, ben c'est fini, on ne donne plus de la décoration, et on ne peut même plus voir, au fond, on ne pouvait même plus voir les papiers de l'ordre qui étaient dans la tour du temple, si j'ai bonne mémoire, et c'était terminé. Alors, on laisse s'éteindre. Alors, il n'y avait plus de nomination. Dans l'émigration, le roi Louis XVIII ne voulait, qui avait l'habitude avec son frère, le futur Charles X, il lui avait donné l'autorisation de le faire, c'est de donner des croix de Saint-Louis à tous les gens qui se battaient pour lui, enfin pour les officiers qui se battaient pour lui sur différents fronts, etc. Mais il disait qu'il ne voulait nommer aucun chevalier du Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas à Versailles. Voilà, il n'était pas à Versailles. Et cependant, alors il a donné, aussi que ça puisse paraître, il avait sans doute quelques cordons bleus, quelques cordons verts de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il a nommé quelques personnes, n'est-ce pas? Et il pensait que c'était bien suffisant, et que revenu sur le trône, on n'en parlerait plus. Manque de chance. L'empereur de Russie, Paul Ier, qui était un original fini, avait considéré que l'ordre de Malte devait continuer avec lui, étant donné que Bonaparte avait pris l'île de Malte. Voilà. Alors il a inventé un ordre de Malte, et avec beaucoup d'argent, il a même forcé les Français qui étaient à Saint-Pétersbourg en exil à porter ce nouvel ordre de Malte, et il a envoyé son ordre de Malte à Louis XVIII, bon, et au prince, qui ne pouvait pas le refuser parce qu'ils étaient payés par l'empereur. Et alors Louis XVIII a trouvé malin d'envoyer l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel à l'empereur, qui n'a pas trouvé ça drôle du tout, parce que il lui a fait comprendre qu'il voulait le Saint-Esprit. Alors on a envoyé, comme l'a raconté d'ailleurs le cher père, le révérend père Augustin Pic, on a envoyé le comte de Brissac de Cossé-Brissac, je crois, et oui, c'est ça, on a envoyé le comte à apporter les insignes du Saint-Esprit
à l'empereur, qui du coup s'attendrait enfin, le principal des ordres, au roi. Voilà. Et à ce moment-là, le roi a vu que les Orléans capitulaient, donc il a dit à Louis-Philippe, le duc d'Orléans, qui avait demandé pardon, et il a dit qu'il donnait le Saint-Esprit à ses deux frères. Voilà. Et puis alors, quand il est parti de l'Angleterre, il a donné l'ordre du Saint-Esprit au prince régent et à ses deux frères. Et alors donc en France, à ce moment, le Saint-Esprit a repris, voilà, en 1814. Vous dites d'ailleurs que, vous écrivez que Charles X et son fils s'embarquèrent pour l'exil sans décoration et n'emportèrent plus jamais. Oui, ça c'est. Il y a un portrait de Charles X qui est avec des décorations. Mais c'est. Vous posez la question d'ailleurs après, les ordres étaient-ils donc morts, point d'interrogation ? En fait, pas tant que ça, parce que vous expliquez que c'est une des composantes de la tradition légitime continuée. Ah, très bien, mais c'est certain. Oui, c'est bien certain. L'ordre continue chez les étrangers aussi, bizarre que ça puisse pas être. Quand le comte de Chambord est allé à Berlin visiter la Prusse, le roi Prusse portait le Saint-Esprit devant lui. Quand Metternich allait voir à Fröschdorf Madame Royale, qui était la femme de Louis XIX, ou la veuve de Louis XIX, il portait lui-même portait le Saint-Esprit pour montrer qu'il était fidèle, vous voyez. C'est très curieux. Mais il y a des tableaux, le nombre de tableaux du comte de Chambord avec les insignes, ça c'est comment, bien sûr. Et le collier du Saint-Esprit figurait sur son cercueil, ça, bien sûr. Voilà. Il a donné le Saint-Esprit à des gens. Il a donné le Saint-Esprit à celui qui a épousé sa sœur, au prince de Luc, qui a épousé sa sœur et qui est devenu par la suite duc de Parme. Il lui avait donné le Saint-Esprit, et on pense que c'est à ce moment-là qu'il a donné le Saint-Esprit à l'infant Don Juan. On pense que c'est à ce moment-là qu'il lui a donné le Saint-Esprit, oui. Et à deux ou trois autres personnes. Et qui ne paraissaient jamais d'ailleurs avec ces décorations-là, sauf le jour de l'enterrement à Goritz du comte de Chambord, ce qui n'est dit par personne, sauf une qu'on a trouvée il y a très peu de temps. Le Don Juan, qui devait succéder au comte de Chambord, c'était un personnage curieux, Don Juan, mais c'était le nouveau capétien le plus proche du comte de Chambord, et en plus ils avaient épousé les deux sœurs, c'était vraiment très proche du comte de Chambord. Seulement, bon, il avait des caractéristiques très bizarres, il était libéral, il avait abandonné la couronne d'Espagne, au moins imaginaire, et qui épousait, on ne savait pas très bien quelle était son adresse. Il était là, aux obsèques du comte de Chambord. Et alors, le marquis de Main, ou le comte de Main, là, l'homme très curieux, là, qui était un grand littérateur, il s'occupait de beaucoup de questions sociales, a dit, ah oui, il y avait l'Espagnol, lui, il était couvert de décorations. Lesquelles ? Or, maintenant, on le sait depuis 2 ans, et on a publié les mémoires d'un bon Français qui est allé là-bas, et qui a vu que Don Juan, le successeur, portait le cordon et la plaque du Saint-Esprit. Il s'est tourné vers les secrétaires du pont de Chambord, leur a dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et alors ils ont dit « Ah mais ce sont les insignes de Monseigneur qu'il a. » Autrement dit, il avait dû faire un passage par Fröschdorf pour aller là-bas. La comtesse de Chambord a dû être ravie de lui passer les insignes de son mari. Voilà. Parce qu'il n'a certainement pas menti, cet homme-là. C'était un homme assez curieux. Vous évoquez aussi le registre des chevaliers, oui. Tenu par les rois légitimes, oui. Qui a disparu depuis longtemps, vous posez comme date peut-être 1944. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est perdu pour toujours et jamais. Fröschdorf a été vidé de tout, et tout a été mis, les souvenirs
ont été mis dans une grange à côté de l'endroit des anciennes écuries de Freusdorf, enfin, ou du moins le type qui s'occupait de. Le monsieur qui s'occupait de Freusdorf était dans une maison spéciale, mettons à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, à 100 mètres du château, quelque chose comme ça. Puis c'était occupé maintenant par une famille noble, et, comment dirais-je, autrichienne. Mais il y a eu les Allemands étaient occupés Freusdorf en janvier 1945, les Soviétiques sont arrivés et les gens qui occupaient ça, le comte et la comtesse de von Brandt-Stuppart, avaient mis tous les souvenirs de Freusdorf dans des caisses dans la grange. Et étant donné qu'on s'est demandé comment sauver, qu'est-ce qu'il fallait sauver devant l'incendie qui commençait. Ils ont sauvé les animaux. Ce qui fait que finalement, les quatre étendards des gardes du corps, des gardes du corps n'existent plus. Le fameux drapeau blanc offert par les dames de Bordeaux et celui par les dames de Lille, ils ont disparu. Que beaucoup de choses ont disparu. Et ça, c'est consternant, c'est à pleurer, quoi. Donc, et heureusement, Donheim avait envoyé des choses à l'étranger, en France et à l'étranger. En France, on a très peu de choses. On a eu quelques colliers et le Saint-Esprit, mais il est possible que beaucoup de choses aient été enlevées envoyées en Angleterre et détruites par le Blitz. On peut dire aussi, sous votre plume, qu'il serait facile d'ironiser sur des corporations en marge de la vie quotidienne et qui semblent de pitoyables usage d'une époque révolue, trois petits points si Dieu veut, et pourtant vous expliquez que la lettre préface qu'a écrite Alphonse de Bourbon et qui a été publiée par Ronald Prosser chez Ravensworth Press, que cette lettre préface montre quel peut être le rôle d'ordres anciens pour renforcer des fidélités et continuer avec prudence, d'antiques et honorables traditions, maintenant privées du support des États. Oui, je ratifie, si j'ose dire, bien sûr. Et je crois aussi que vous êtes en train de travailler sur un ouvrage qui va recenser la totalité des différents... C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui sera différent de celui de mon ami Spilliard. Ça s'appellera « Histoire de l'ordre du Saint-Esprit de 1789 à nos jours ». Il est bien avancé, mais il faut continuer. Et comme je n'ai pas une bonne vue, etc., c'est pas toujours facile. Mais je pense que j'y arriverai. Et quand ça sera publié, je dirai ouf, et ça sera mon dernier livre. Ça sera mon dernier livre. Ça sera votre dernier livre? Non, pas. Je m'occuperai des affaires de ma famille, parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour les généalogies familiales et autres. Mais là, si j'arrive à faire ce livre, le terminer, ça sera vraiment tout ce qu'il y a de... Ça sera intéressant pour tout le monde. Je sais, par exemple, au musée de la Légion d'honneur, on attend ça avec impatience. Tant mieux. Voilà. Il faut bien dire que les Français ont, on nommait un étranger, c'était souvent, ça se faisait donc dans un autre État, on y allait avec la fanfare, littéralement. Il y avait tout un accompagnement, il fallait emporter des textes, il fallait emporter vraiment des... c'était la France qui venait à l'étranger. Alors, il y avait, par exemple, il y a eu des... C'est dans les procès-verbaux qui sont racontés dans les tomes sur le Saint-Esprit... la vie de l'ordre, ça se trouve à la Bibliothèque nationale, si j'ai bonne mémoire, quand on a nommé le roi Jean Sobieski membre de l'ordre du Saint-Esprit, c'est l'homme qui avait sauvé l'Europe dans un certain sens en remportant la bataille de Vienne en Autriche contre les Turcs, c'est ça le type là, qui venait torturer les Européens pendant des siècles, et Sobieski, donc on l'a fait
Non, on l'a fait, mais alors, il ne s'était pas dit à Varsovie ou à quoi que ce soit, c'était à l'Off, si j'ai bonne mémoire. Mmh. Et il faisait très froid. Ce qui fait qu'il n'avait il avait pas les souliers normaux de l'ordre, mais il avait des bottes, et on sait exactement comment il était habillé. Parce qu'effectivement, le climat était intenable. Voilà. Et j'aimerais qu'on finisse. Et le manteau existe toujours au musée de Wawel, au musée du Wawel de Cracovie, et que j'ai toujours lutté pour qu'il soit mis d'une façon normale, parce que les gens présentent quand le manteau n'est pas à plat, parce que tous les manteaux doivent être mis complètement à plat pour voir exactement ce que c'est. Mais normalement, quand on les met sur une espèce de tige, on fait toujours la bêtise de mettre la fente devant, alors que la fente était sur le bras droit. Voilà. Le manteau du Saint-Esprit, comme le manteau de Saint-Michel, c'est le paludamentum des Romains. C'est la même coupe, sauf que sur les Romains, ils ne traînaient pas par terre. Et je pense que je sais pourquoi. On a fait une espèce de une traîne qui a beaucoup augmenté, d'ailleurs, de dimension. Et qu'est-ce qui a été fait aussi sur ce plan, c'est le manteau du roi du sacre du roi de France. Ça découle du palais d'Aventum. Ce qui fait que pour la main gauche, il faut soulever l'étoffe pour la dégager, et que par la main droite, on est par la fente. Vous voyez, on passe par la fente. Alors en tirant sur le côté gauche, évidemment. La partie gauche qui va jusqu'à terre, elle n'est pas symétrique avec la partie droite, vous voyez. Et c'est comme ça le paludamentum. Et c'est pour ça qu'on a augmenté, à mon avis, la longueur de la traîne pour essayer d'égaliser les choses. Vous dites que dans certaines circonstances, il peut y avoir de l'honneur et même de la préscience à se trouver dans une petite équipe résiduelle qui peut être germe, terme d'ailleurs biblique. Oui. Et vous évoquez... toujours dans cet ouvrage, l'état de l'ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi de France. Ah oui, l'affaire de Falaise. Voilà, vous expliquez, vous dites, je vous cite, « Aucune histoire de France ou de l'ordre du Saint-Esprit ne parle de cette réunion si discrète. » Cette réunion si discrète, elle a eu lieu un 31 décembre 1589 dans l'église Notre-Dame de Guivray, et j'aimerais qu'on finisse par évoquer cette réunion qui est vraiment un premier acte, une première pierre posée à la survivance... De l'ordre. C'est le début des campagnes d'Henri IV comme roi de France pour essayer de soumettre évidemment en particulier la Normandie. Il faisait le siège de Falaise et puis on s'est trouvé en plein mois de décembre avec l'obligation de parler du Saint-Esprit, quoi, de faire ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Alors le roi ne portait pas le Saint-Esprit, il n'a porté le Saint-Esprit. Que le lendemain de son sacre, dans Notre-Dame de Chartres. Et dans Notre-Dame de Chartres, on a fait la fête du Saint-Esprit pour la première fois sous les Bourbons. Et il a chargé des gens qui étaient avec lui, mais qui n'étaient que six, de faire dans l'église de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Dans l'église Notre-Dame de Guivray. Voilà, Notre-Dame de Guivray. Près de Falaise. Près de Falaise. C'est là qu'il a fait ça. Il n'était pas là. Mais on a dû sans doute présenter la chose avec un siège qui servait de trône. Et en plus, on a annoncé qu'il y avait des nominations comme de fonctionnaires dans l'ordre, etc. Et ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Mais ça, Falaise, c'est la première fois. Enfin, Guivray, c'est la première fois. Ils étaient que six. D'ailleurs, vous dédiez votre livre à ces six personnes qu'on peut peut-être nommer. Oui, allez-y. Armand de Gontaut, baron de Biron, maréchal de France. Nicolas de Grimouville, seigneur de Larchamps, capitaine des centarchers de la garde. François, seigneur d'Eau, surintendant des finances. François Duplessis, seigneur de Richelieu, grand prévôt de France. Méry de Barbezière, seigneur de la Roche-Chémereau, grand maréchal des logis de la maison du roi. Ouais. Et de Martin Rusé, seigneur de Beaulieu, secrétaire d'État, qui à eux seuls représentaient tout l'ordre du Saint-Esprit dans l'église Notre-Dame de Guivray, près Falaise, les 31 décembre 1589 et 2 janvier 1590. Le roi, chef et souverain grand maître de l'ordre, était protestant et leur ayant donné l'autorisation de se rassembler en son absence. Oui. Et je finirai par
citer une phrase que vous mettez en exergue de votre, de, toujours du même ouvrage, de votre ami Jacques Perret. « Il y a des signes, proches ou lointains, l'avenir est au nostalgique, c'est le parti qui monte. » Monsieur Pinotto, ah, c'est chez vous, ça. Je vous remercie infiniment. Voilà, j'ai à bafouiller, mon Dieu. De m'avoir reçu chez vous, c'était parfait. Vous allez trier tout ça? On va trier tout ça, ça enregistre toujours, mais je pense que les... Mais s'il y a des choses à redire, je le ferai. Les internautes seront ravis d'entendre cet exceptionnel témoignage.